Yahoo du Bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je pense que ça se voit, je peux pas te trahir, mais je suis super contente parce que je vais filmer deux ouvertures de colis de Vinted que j'ai fait et dont celui-ci que j'avais vraiment très très hâte d'avoir, tout simplement parce que en fait, il faut savoir que c'est un Pokémon qui me tenait à cœur de posséder dans ma collection. Donc je te laisse quelques minutes histoire de me mettre un petit commentaire, de me dire auquel tu penses peut-être. Donc voici la boîte et j'ai juste pré-ouvert pour que ça soit plus simple. Donc on va ouvrir ça ensemble. Alors je vais juste essayer de pas tout niquer le carton pour pouvoir le réutiliser éventuellement pour une commande. Je pense que c'est un peu mort. Ouais, c'est un peu mort mon truc. Bon, je vais juste ouvrir ça proprement sur le côté. Voilà. Ok. Ah, il y a un petit mot. Merci pour votre achat en vous souhaitant une bonne réception, bonne journée, Marie. Voilà, donc un petit mot, ça, je trouve ça toujours mignon. Moi, quand il n'y en a pas, c'est que j'ai pas eu le temps et que ma maman a fait le colis tout seul parce qu'en fait, c'est elle qui fait le scotch et l'étiquette. Et donc, du coup, souvent, elle ne laisse pas le temps de mettre un mot. Sinon, je mets un mot d'habitude. Donc, ça, moi, je l'ai vu. Je l'ai vu. Alors, t'as pensé à quel Pokémon ? Pandespiègle ! Voilà, Pandespiègle avec son petit... Donc ce qui est bien, c'est qu'elle a mis dans un sachet. Alors, je pense pas que ce soit forcément le sachet d'origine, mais je trouve ça bien de l'avoir mis quand même dans un petit sac. Il est trop mignon, je meurs. Oh. Et voilà, un petit panda de plus dans ma collection. Voilà, voilà. Alors, je l'ai payé pas très cher. Je crois que je l'ai payé 5 euros. Alors que ce genre de peluche-là, ça vaut au moins dans les 15 euros. Et en plus, il a le tag parce qu'il y avait une autre personne qui le vendait au même prix, mais sans le tag. Donc, mon choix a été vite fait. Surtout que j'ai demandé à la personne parce qu'en plus, c'était en période Corona. Donc, j'ai demandé si elle pouvait me le mettre de côté et que ça, c'était clair et net que j'allais lui acheter. Donc, voilà, je l'ai enfin acheté et enfin reçu. Et je l'ai pu me l'acheter aussi grâce aux ventes Vinted parce que là j'avais envie de... Enfin, j'ai utilisé l'argent des ventes Vinted pour me l'acheter, mais bon, voilà, c'est tout. Donc voilà, en ce qui concerne cette vidéo, donc elle a été très rapide, c'était juste une vidéo bonus. Alors je m'excuse, de base, il devait avoir une... vu qu'on est mercredi, il aurait dû avoir une vidéo anime, sauf que je me rends compte que mettre ça une fois par semaine, c'est un peu me noyer. Donc j'ai voulu justement faire quand même une vidéo aujourd'hui pour pas que te faire un coup de pute et de pas te mettre de vidéo. Mais voilà, c'était aussi pour me laisser le temps de souffler et de rattraper, de prendre de l'avance plutôt. Parce que là je vais filmer un film d'animation, enfin je vais regarder un film d'animation, donc ça me fait, tourner un film 2 heures. Donc c'est plus rapide et du coup ça me laisse le temps de regarder le prochain anime pour la semaine prochaine. Donc je m'en excuse d'avoir fait ça. Mais je pense que tu dois te douter quand même que faire ce rythme-là aussi imposant avec toutes mes vidéos, etc., c'est très très dur à gérer. Et donc, je me suis pas rendu compte au tout début que ça allait être compliqué. Là, le jour où je filme, on est lundi et je dois filmer mon avis pour la vidéo, justement, anime de All Out, je sais pas comment ça se dit, le manga de rugby qui est pour mercredi, pour moi, là, après-demain. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc voilà, cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. N'hésite pas à me dire quel est toi ton Pokémon préféré ou tes Pokémon préférés. Moi, dans les premiers Pokémon, il y a Ronflex, Goinfrex, il y a Sulfura, il y a Mewtwo, bien entendu, qui est ma vie, il y a Magikarp, il y a Pondespiègle, et il y a tout ce qui est Tyranocif, etc., et ses évolutions. Voilà, principalement, je crois, et Noctali. Voilà, bye bye. On n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive. Peace.